Bonjour et bienvenue sur Canal Plus Cinéma pour une séance entre vous et moi. J'espère que vous allez bien. On va regarder un film ensemble et pour bien nous accompagner, un plateau repas indispensable avec pour aujourd'hui un jus d'orange, Georges Clooney, le vrai, et un rasoir pour les mollets. Voilà, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, ça s'associe très bien avec notre film du jour, Gravity. On dira ce qu'on voudra. Il n'y a pas mieux comme vue. Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalski. Mais alors qu'il s'agit d'une simple opération de routine dans l'espace, leur navette est pulvérisée. Les deux astronautes se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers, ayant perdu tout contact avec la Terre. Gravity en 4 chiffres, 7 ans de réflexion pour le réalisateur mexicain Alfonso Cuarón, plus de 4 millions d'entrées dans les salles françaises, plus de 600 millions de dollars de recettes mondiales, 7 Oscars dont celui du meilleur réalisateur et aussi un mec qui a les boules, James Cameron, de ne pas avoir réalisé Gravity dont il dit que c'est le meilleur film sur l'espace. Petite info, c'est Angelina Jolie qui devait avoir le rôle, mais c'est Sandra Bullock qui a ramassé le jackpot. Un tournage compliqué où l'actrice américaine s'est retrouvée isolée, toute seule, plusieurs heures par jour dans une cabine, en culotte, pour notre plus grand plaisir, avec pour seul moyen de communication une oreillette. Avec Gravity, ce n'est pas une séance, mais un ticket pour l'espace que je vous offre. Bonne expédition sur Canal+ Cinéma.